Et bonjour. Bonjour. Enfin, rebonjour, on vient de se quitter. Oui, moi j'étais là tout à l'heure. Bon, du coup, j'ai changé de partenaire. Du coup, il s'est dédoublé. En deux personnes très fort agréables qui sont Charlie et Siloire, du coup. Voilà. Voilà. Rebonjour. Voilà. Donc, on va. Oui, toi, c'était hier, toi. Oui, c'était hier. Oui, c'est vrai. Je faisais ma recarte. Du coup, on va vous présenter une petite run de Pokémon HeartGold Soul Silver donc, sur la catégorie Bug Catching Contest Glitches Many Places. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'au concours de capture d'insectes. On va faire la première partie du jeu sans manip de RNG, donc sans chercher à avoir des stats particulières sur un Pokémon, sans manipuler le Pokémon qu'on va capturer au concours de capture d'insectes. Ce qui peut du coup nous embêter parce que si on tombe pas sur le bon, on peut ne pas gagner le concours. Il faut gagner le concours pour finir, donc pour valider la run. Il peut y avoir des beaux retournements de situation. Ça se quelqu'un qui est devant qui n'arrive pas à gagner le concours et quelqu'un qui arrive et qui le gagne du premier coup. Voilà. Sachant qu'entre le début et le concours, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, aussi. On a quelques petits gatekeepers, on en parlera le moment venu. Donc voilà. Voilà, bon, c'est un petit peu pour le gros. Pour pouvoir commencer du coup. Ouais. On lance quand vous voulez, enfants. Je vais l'enlever tout de suite. Il ne tient pas. C'était pour la blague. Nous sommes les entomologistes aujourd'hui, donc... Moi, tant qu'il tombe pas, je le garde. Bah écoutez, je vous laisse faire le décompte, ouais. Et puis Charlie, il a le gros bouton devant lui, donc il va pouvoir nous faire démarrer... Ah, je peux pas reset en même temps que... Attends, ou sinon je fais avec le coude. Attends. 3, 2, 1, go. C'est Let's parti. Go. Nice. Good luck. GL, tout le monde. C'est tout bon? Nickel. Donc le concours d'insectes se situe au nord de Doublonville, pour ceux qui ne le savent pas. Moi je crois que j'ai jamais fait en casu, pour le coup. C'est certain, jamais, pareil non plus. C'est certains jours de l'année seulement, enfin un certain jour de la semaine plutôt. De la semaine, ouais. Donc le mardi, jeudi et samedi. On en est un peu concentré parce qu'il faut qu'on mâche la console. C'est ça. Là on va choisir la fille. Ça permet d'avoir un tuto capture un petit peu plus rapide. Parce que quand on a du coup le. C'est pas le rival mais l'assistant du professeur, enfin plutôt notre voisin dans le village, c'est toujours celui du sexe opposé. Donc, du coup si on prend la fille on aura comme camarade le garçon. Et le garçon il est un peu plus rapide. Parce que la fille aime bien faire le. Enfin elle fait une première fois le tuto en mode très très vite. Elle nous dit t'as vu ce que j'ai fait? Ben non on n'a pas vu, du coup elle recommence. Donc voilà. Voilà, donc voilà, le jeu est sexiste. Il prétend que les filles sont trop bavardes. Ouais, c'est littéralement plus long de 8-9 secondes, quelque chose comme ça. On va tout de suite changer les options pour que le dialogue défile plus vite. Et désactiver aussi les animations. Hein. Dans l'ordre, on a du coup la rapidité des textes qu'on a passé en rapide, du coup. L'animation des combats aussi. Qu'on a enlevé, parce que plus rapide, forcément, moins d'animation. Les combats ont défini, donc vous avez choix ou défini à chaque fois. Donc à choix, quand vous battez un Pokémon, vous avez la possibilité de switcher directement et d'économiser un tour. Là, on s'enlève ça, comme ça on évite tout ce qui est boîte de dialogue. C'est ça, les dialogues supplémentaires, tout ça. Voulez-vous changer, machin, voilà, plus rapide, pareil. Et le dernier, bon, c'est pas forcément tout le monde, mais c'est le L égale A. Ouais. Comme ça, le L, on peut appuyer sur A en même temps, tout simplement. Je me demande quel starter on va prendre. Un petit Germignon peut-être. Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait pas prendre plutôt un petit Caiminus? Lequel serait le plus fort? On va affronter des Pokémon plantes, des insectes. Moi je vais faire mon choix, genre je vais regarder si jamais il y a un shiny. Comme ça, voilà, si jamais il y en a un qui est shiny, bah, je le prends, même si c'est Germignon. Voilà. Donc, je fais un petit tour, on permet de éclate-toi mec. Alors, moi pour ma part je prends un Hérissant. Non, il est pas shiny. Bon bah tant pis, je vais prendre Hérissant du coup. Hein, voilà. Voilà, on prend Hérissant de blague à part parce qu'on a la tour Châtifleur qui est obligatoire dans cette version, ce qui n'est pas le cas dans les versions originales or et argent. Et du coup c'est quand même beaucoup plus facile de passer la tour Châtifleur avec un Pokémon de type feu. Tout à fait. Et puis après on a enfin, on pourrait se dire avec un type plante ça peut le faire aussi puisqu'il résiste aux attaques de type plante. Mais le problème c'est que les deux premiers badges sont de type vol et insecte respectivement. Donc c'est compliqué pour le pauvre Germignon, aussi appelé Germinul hein, tellement il est pas terrible. Hein. Ouais, Warax approuve ce message. Bon là on a tout le début, c'est juste du machine, il y a un bête et méchant, ça va, on prend le starter et après on discute avec le rival, on discute avec maman. Et après on s'en va.
Et c'est là qu'on pourra observer les premiers écarts se faire ou non en fonction de combien de sauvages on rencontre sur la première route, puisqu'on n'a pas les repousses au début du jeu qui nous empêchent de rencontrer des Pokémon sauvages de niveau inférieur à celui de notre Pokémon de tête. Donc là, si jamais quelqu'un est par exemple moins vitesse et qui rencontre par exemple un Roku niveau 4 qui est plus vitesse, et ben on peut ne pas fuir parfois, ça arrive. On ratata aussi. Ça m'est arrivé sur ma dernière run d'entraînement. Ouais. Donc là, on a maman qui nous a donné l'Apple Watch, hein, la montre qui fait tout et qui appelle les gens et qui fait le café aussi. Enfin, ouais. Donc non, c'est le Pokégear en anglais et en français, c'est la Pokémontre. Non, Pokématos. 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 Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est sur Diamant Père. Là. Excusez-moi, vous avez raison. C'est parti, on va s'aventurer dans les premières herbes. Donc là, pour l'instant, on est obligé de marcher parce qu'on n'a pas les chaussures de sport. Quand les aura, on continuera de marcher dans les hautes herbes parce que ça réduit le taux de rencontre. Oui, parce que le jeu considère que tant qu'on n'a pas de basket, on ne peut pas courir. Pourquoi pas ? Ah, un premier sauvage pour moi. Évidemment, personne à ma droite est gifted comme d'habitude. Zéro pour l'instant. J'en ai un. Ah ! Je savais plus où j'étais, je me voyais dans les herbes où était Charlie. C'est un Fouinette. Bon. C'est une route 29 parfaite pour moi, bien évidemment. J'ai déjà vu les PV de mon essence qui sont de 19, je sais pas vous. Également. Ah ben, je ne sais pas du coup. C'est un récent de moyen, ça, en général. Enfin, moyen au niveau des HP, parce que le reste peut être incroyable. Oui, c'est ça. On ne sait pas. On verra ça. On peut regarder soit au labo, quand on décide, on est en Pibiatum, on va regarder pour reset le récent si jamais il est trop mauvais. Là, du coup, on va par reset. Hein, bon, ça va, j'ai pris deux sauvages, c'est pas si terrible. J'en ai pris qu'un seul, je suis plutôt content. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné cette petite spécificité, mais j'ai à ma droite un des joueurs qui a le plus de chance sur le jeu, et à mon extrême droite, là, une des personnes qui a le plus de poisse sur tous les speedruns confondus qu'il peut faire. Ouais, sacré trio. Hein. Ouais, franchement. On l'a vu très vite fait, hein, parce qu'il n'y avait qu'un seul fight comme exemple sur Diamant Étincelant. Hein. J'ai pris une attaque, c'était un crit. En plus, sur ce jeu, on est sur du 1 chance sur 16, sur les coups critiques. Hein. Mais évidemment, c'était pour toi, ça t'attendait. Ouais. Ouais, ça c'est... Y est, on va pouvoir courir du coup, ouais. Je t'ai coupé. Non, mais il n'y a pas de problème, je disais justement, c'est Charlie qui peut courir maintenant. Mais n'oubliez pas surtout d'appuyer sur le bouton B de vos baskets, sinon vous ne pouvez pas courir. Hein. N'hésitez pas à appliquer ce conseil chez vous également. On pourrait les activer automatiquement, du coup pour s'économiser le fait d'appuyer sur le bouton B, mais on va pas le faire puisque on va marcher dans les herbes. Puisque uniquement dans ce jeu, c'est spécifique dans ce jeu, je crois que c'est pas disponible dans aucun autre Pokémon. Ouais. J'ai 19 PV, ok, très bien. Le taux de rencontre est littéralement doublé quand vous courez, tout simplement. Donc dans les herbes, on va juste marcher pour éviter de rencontrer des Pokémon sauvages. Une rencontre, c'est 11 secondes de perdu. Évidemment, on n'a pas envie de rencontrer des sauvages inutiles pour l'instant. Quoique, on pourrait en prendre un pour de l'XP. Ouais, de l'XP, j'ai vu que des niveaux 3. On pourrait, mais là, est-ce que c'est vraiment utile, sachant qu'on va pas très loin. Enfin, cela dit, si, c'est le même début, donc... Oui. On pourrait. De toute façon, là où s'arrête la run Bug Catching Contest, dans la run Any%, c'est là qu'on ne se sert plus des rissons. Voilà, c'est là où on change, on prend un rapace de pique à la place. Donc là, le début que vous voyez, c'est exactement le même début qu'en Glitches Maniples, la run classique où on fait 3h50 de run à peu près, oui. En moyenne. C'est ça, voilà. Je n'ai que des insectes pour l'instant, est-ce que c'est bon signe? Je ne sais pas. Ouais. Non, ils viennent tous maintenant et puis après plus rien. Mais c'est pas un aspic au niveau 18, donc c'est bon. Je suis Monsieur Pokémon, qui va nous donner un œuf. Un œuf de Togepi, qu'on va ensuite rendre au professeur, qui ensuite, au final, va nous le redonner. Voilà, il savait pas trop quoi en faire. Ils se sont dit, bon, finalement, vas-y, fais-en une omelette, mec. Non, ils nous disent, prends-en bien soin, on va juste le foutre dans le PC et voilà. C'est tout, il nous servira à soigner nos Pokémon en utilisant l'ordinateur. Je sens mon chapeau, je vais... Non mais vas-y, ne t'inquiète pas, c'était juste pour la blague. Ouais. Hein, je
J'ai vu voir si tiens, mais je sens qu'il bouge. Ils ont fait roncher beau pour être là 2 minutes à l'écran, il n'y a pas de problème. C'est ça. On a fait l'intro avec, c'est bon. Mais oui. Donc on peut prendre, comme disait Vanika tout à l'heure, de l'early XP, c'est-à-dire on peut tuer un Pokémon sauvage pour gagner un peu d'XP. Ça nous permet, sur le premier dresseur du jeu, enfin si on enlève le rival, donc le deuxième combat du jeu, on peut être niveau 7 sur son Rattata niveau 4, ce qui peut aider si jamais on manque d'attaque. Ou si on a une défense aussi dégueulasse, ça peut aider. Et puis sinon, c'est pouvoir évoluer une fois qu'on a fait le premier badge, directement. Bah, mais encore, et 4 Aspico. Ah ouais. J'y vois un signe. Moi, j'y vois un ver de terre, personnellement. Mais... Je suis un extra step, j'ai été puni par une petite rencontre sur mes dernières herbes. 5ème Aspico. Oh là là, mais du coup, je passe devant Charlie, OMG. Mais incroyable. OMG. Ça va pas durer longtemps. Ah, on se suit là. Qui c'est qui va commencer, rival entre moi et Vanika, le premier? Je crois que c'est Vanika. Ah, pas ah non, chose, non, on est vraiment très collés là. Vite le machine. Bon, les premiers combats donc contre le Kaiminus du rival. On va lui mettre 2 attaques gros yeux avant de le taper. On espère qu'il ne nous fasse pas trop de dégâts. Je prends un coup critique tour 1, let's go. Ah bah mince alors. Ah, la bienveillance de cette communauté de speedrun, c'est magnifique. Hein. Ah oui d'accord, mais ok. Je dois potion. Oh, coup critique. Ça va, par contre il m'a bien baissé ma défense, donc faut pas que je rate, c'est bon. Incroyable, j'ai survécu à un rival, c'est une grande épreuve pour moi là, je respire. GG à toi. Merci bien. Alors, ça va donner. Alors, ouais, bon, il est moyen partout, honnêtement. Je pense que c'est un neutre. Donc, c'est-à-dire qu'il a une nature neutre. 14, 13, 12. Ok. Buddy. 14. J'ai 14, 13, 12 la fin. TED. Ok. 13, 11, 14. Bah, beaucoup mieux que le mien. 13, 11, 13, 11, 14, moi. Ça va, ça va. Bah, on a tous les trois des. Je crois. Hein, moi, j'ai 12, 11, 13, 11, 11. Ça va, ça va. C'est assez bon. On a tous les trois des hérissantes très très corrects, ouais. Voire très très bon. On risque juste de se faire Bugsy en premier là, parce que moi perso, 11 de spedef, ça risque... 11 de spedef, ça va encore. Bah, ça peut être dans la moyenne basse quoi, donc à voir. Oui, ça va voir en affinant les stats. Oui. On va regarder nos stats niveau 13. Bon, moi niveau 13, je regarde la vitesse et puis je regarde ouais. Je regarde dans le puits moi après. On peut regarder dans le puits aussi, ouais. Ça dépend. Bon allez, là du coup en fait on en a pas parlé mais le prof nous a appelé en catastrophe, mais c'est terrible ce qui se passe. En fait il s'est fait voler un Pokémon par un enfant de 10 ans et il appelle une enfant de 10 ans pour l'aider à résoudre le problème évidemment. Parce que la police, vraiment on sent que là ils sont désarmés, enfin ils savent pas quoi faire. Hein. On lui donne son nom et il cherche. Il s'appelle raté aujourd'hui, voilà. Surtout comment il l'a pas croisé en chemin. Du coup, nos stats, elles sont liées donc à ce qu'on appelle les IV. C'est pour ça qu'on n'a pas tous les mêmes stats, parce que chaque hérissandre est différent. Il possède des IV, donc ce sont des valeurs qui vont de 0 à 31, qui vont jouer sur les stats, qui vont les augmenter. C'est-à-dire que plus les IV sont proches de 0, plus les stats seront basses, et plus les IV sont proches de 31, plus les stats seront hautes. Et donc ça joue pour chacune des stats. Chaque stat a ses propres IV. Et en plus de ça, on a des natures qui donc elles sont soit neutres, c'est-à-dire qu'elles influencent pas la croissance des stats, soit elles peuvent augmenter une stat, augmenter la croissance d'une stat et en diminuer celle d'une autre en compensation. Et chez ce Horizon, ce qu'on préfère ne pas avoir, c'est un plus vitesse parce que ça. Enfin, on s'en fiche un peu, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt, voilà, c'est ça. Horizon, c'est un Pokémon très rapide de base, donc plus vitesse n'apporte absolument rien. Ce qu'on cherche, c'est surtout plus attaque ou plus P attaque. C'est ça. Ah, bah non, on peut se poser parce qu'on a un tuto capture, voilà. Il se passe rien. Qui va avoir Tackle, qui va avoir Mimikyu. Qui va avoir Coloforce. Ok. Tackle. Putain, on est un petit Coloforce. Vous avez tous les deux un Coloforce, je crois, par contre. Et moi aussi, la vache. Non, t'as pris Tailwhip. Ah, mais j'ai pris Tailwhip, ouais. Ton mari, il a 23 PV. Charlie, je crois.
Les nôtres, ça, ouais. Il a 22. Ouais. Oui, même les stats de ces Pokémon sont aléatoires. Ouais. On peut, le Rattata peut se faire one shot. Dans deux cas très très rares, s'il est moins défense et qu'on a un Marill monstrueux. On peut pas crit hein, dans ce tuto capturant, c'est scripté pour on peut pas crit. Si seulement. Enfin, je dis on, c'est même pas nous qui jouons du coup. Là maintenant on va rechercher un Fouinette. Parce qu'on... Mais non, je suis dans la mauvaise catégorie, excusez-moi. On peut chercher un Fouinette, mais non, ça ne sert à rien. Enfin, on va chercher un Pokémon à capturer si on veut jouer safe. Oui. On va voir un pivot. Parce qu'on va, ce qu'on va souhaiter vu qu'on est en marathon, parce que sinon ça veut dire retour au oui. PC, c'est chiant. Enfin, retour voilà. Au centre Pokémon. Voilà, nickel. Parfait. Fouinette, nice. Alors on peut prendre n'importe quel sauvage sur cette route là pour safe. 4, bon. Mais ce qu'on préfère, c'est un Fouinette parce que ça nous permet d'optimiser au niveau de coupe. Parce que l'attaque coupe, Hérisson peut la prendre. On va en avoir besoin. Mais ça nous fait une petite textbox en plus de la prendre parce que ça nous dit voulez-vous oublier cette attaque et ça supprime, etc. Alors que chez Fouinette, c'est automatique. Donc du coup, on préfère Fouinette. Et moi, du coup, j'ai un Fouinette aussi. Voilà, un niveau 2. Bon, moi, je prends un Pidgey. Oh, je l'ai tapé si fort. Ou alors, je prends un XP et je capture un autre. Tellement de choix. Vas-y, je capture celui-là. Voilà, donc pour ma part, j'ai le scénario préférentiel, j'ai un Fouinette, donc ça me permet d'être safe pour le rival et puis ça va me permettre de lui apprendre coupe directement, donc pas un problème. Pour le rival, pour la première arène et pour le rival. Ah, j'ai voulu jouer les malines et je me prends un sauvage, je suis puni. J'ai hésité parce qu'il était niveau 2, le PG, je me suis dit pourquoi pas prendre de l'XP dessus, mais bon. Bah, c'est Silver qui est devant moi là. De pas beaucoup, mais quand même. Sauvage, tu vas repasser devant peut-être. Bah attends, faut pas que je m'en prenne. Hein. Ça par contre, j'ai envie de prendre en XP. J'aurais dû le lire d'abord avant. Ouais, bon. Maintenant, c'est un 3 coups avec mon attaque. Allez, premier combat du jeu hors du rival pour ma part. Il s'agit de Youngster Mickey. Alors, Mikey qui peut nous. Qui étrangement peut des fois bien nous la mettre. Vraiment, c'est. Le Rattata nous fait un crit vive attaque et on est mal, voilà. Hop. Mince. Attends, j'ai la range du two shot trop cool. Oulala. Là là. Le mouvement, faut partir. J'ai un monstre. Ah oui, t'as un monstre toi, Vanity. Ah oui, j'ai un monstre, ouais. 14 d'attaque, ça t'avais enfin, 13 ou 14. Ouais. Pas mal. Si je pouvais crit le Rattata là, ce serait magnifique. Ça serait une range. Dans la plupart des cas, ce sont une range. Non, si on faut faire un high roll. Non, mais pas bon, Pokéball. Oh, je me suis trompé. Une Pokéball ou Rattata. Oula. Là, il va me tuer. Pas forcément. Oh. Ah, mais non, pas comme ça. Bah, si. Bon, alors là, du coup, je vais retourner à la ville d'avant. C'est pas très très grave. Mais je perds quand même de l'argent, donc c'est pénible. Bon, après, on n'a pas grand besoin du choc. J'ai pris un crit aussi. Ouf, j'ai peur. Voilà, c'est juste pour le contenu aujourd'hui. Hein. C'est pour vous régaler, évidemment. Non, okay. J'avais pas vu que j'avais utilisé une Pokéball, qu'elle était préenregistrée. Parce qu'en fait, oui, le dernier objet qu'on a utilisé en combat est préenregistré, j'étais persuadé que c'était une potion, alors que pourtant j'ai attrapé Fouinette, donc... Okay. Et ça va, j'ai pas loin à aller, regardez, je suis juste là. Bon, je suis plus défense spéciale. Hein, bon bah du coup, j'ai mon early XP, vu que je vais battre deux fois le Roucoule. Ah bah voilà. Donc j'ai pas besoin de choper de Rattata dans la tour Chatiflore. Parce qu'on a besoin d'un peu d'XP supplémentaire par rapport au combat qu'on fait traditionnellement dans la run pour pouvoir évoluer à temps en ferisson pour assurer la suite de la run. Allez, on est reparti. Oh non, le NPC qui me bloque. Va-t'en. Ah, donc c'était pas un coup de chance, j'ai vraiment la run, je le two-shot largement. Ok, aucun sauvage sur la suite de la route. Gifted, moi aussi. Bien joué. Ouais, attends, ça va peut-être pas durer longtemps. C'est peut-être un de mes PB guérites, hein, ça se trouve. Bon, j'ai mon XP, j'ai un pivot enfin. Sur Falkner, donc voilà. Let's go. Charlie est juste derrière moi et Vanika va essayer de nous rattraper. Oui, mais ça va, je suis pas très très loin, est encore possible, y'a pas de soucis. C'est ça, voilà. Prendre le centre Pokémon hein, parce qu'on a pas envie de mourir dans la tour. Parce que si on retourne chez maman. Ah bah là, le chemin est beaucoup plus long, ouais. Voilà, c'est ça. Et on n'a pas de repousse, hein. Toujours pas, donc. Mais. Oh. J'ai bonk dans le rebord.
Donc tour chez Giflore, on va affronter que des Giflore. Sauf le dernier serveur qui a un shoot. Vous n'avez rien vu. Ça peut être parfois agaçant. Oui, connaisseurs, vous n'avez absolument rien vu. J'ai rien vu. Ah. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais pousse-toi. Je vais mettre qu'un point de dégâts, les Chétiflore. Si on est moins défense, on peut prendre 2 points de dégâts sur nos premiers fights. J'ai raté tackle. Donc tackle, charge en français, qui a 95% de précision. Sur le papier. Sur le papier. Dans les faits, on est plus en 70%. Hein. 55, ouais. Ah oui, ok, ouais, il est vraiment pas mal du tout. Mais toujours plus, bien sûr. Allez, continuez. Alors donc globalement on dépasse quasiment tous les Pokémon qu'on va affronter, sauf un qui est le Roukoups du champion d'arène, de la première arène, donc Albert, Falkner en anglais. Son Roukoups, bah, c'est un Pokémon évolué, donc forcément bah, il est rapide et tout, il a des meilleures stats. Mais vu qu'on a un Pokémon rapide, et ben là en fait le fait qu'on joue avant ou pas va se jouer sur nos IV. Donc si on a des bons IV, on va se retrouver en speed tie, voire loot speed si on a de très bons IV ou si on est vitesse plus en nature. Donc ça c'est à voir, on regardera sur le niveau 13. Le Roukoups a 24 de vitesse, donc si on a 24 aussi ce sera une speed tie, donc c'est à dire que c'est 50-50 de taper avant lui ou après. Donc c'est un peu du pif, c'est la situation qu'on déteste. Là encore un groupe de 3 chez Tiflore. Vu que j'ai eu l'early XP aussi, un autre avantage c'est que je vais level up sur le deuxième, donc je vais pouvoir apprendre Ember niveau 10 et one shot le dernier chez Tiflore. Donc Ember, le premier stab de Hérissandre, une attaque de type feu et qui est spéciale. Donc on est plus sur là, on n'est pas comme sur or argent où les types étaient, enfin les types spé et spécial étaient liés à. Alors, enfin, le spé et le physique étaient liés à leur type, excusez-moi. Ember, c'est spécial. Et on apprendra plus tard, même si c'est vraiment sur la toute la run, on peut apprendre route feu qui est physique. Là, Ember. Mais route feu qui nous servira pas dans cette run, hein, parce que de toute façon, il nous suffit de 3 Ember pour passer le dernier combat. Donc, alors, et je miss un tackle, votre mieux. Je peux esquiver ce dresseur-là. Passons sur la gauche. Et je rencontre le rat. Moi j'ai mon XP, j'ai mon pivot, donc je fuis. Oui, quand on n'a pas eu d'early XP, on aime bien prendre un rat dans la tour. Et ben j'en ai un autre, hein. Le jeu insiste. Prends cet XP. Si, je suis là, je suis là. Si, si. Là, deux combats avec des Chétiflore niveau 6. Et après voilà. Ah, qui a pris le centre Pokémon? Je me rends compte. Moi je l'ai pris. Moi je l'ai pris. J'ai complètement oublié. Très bien. Eh bien, bonne chance. L'habitude. Pour un gifted anyway. Voilà, de toute façon gifted, donc à quoi ça sert de prendre un centre Pokémon quand on est gifted? Ouais. Et je remis une attaque, mais bien sûr. Mais oui. Regardez-moi ça. Si jamais on est en rame en dèche de potions, déjà il y a une potion qu'on peut ramasser juste à côté du deuxième dresseur. Bon là. Je sais pas qui est déjà en dèche de potions ici, j'espère pas. Non, ça va. 5, ouais. J'en ai ramassé une de backup. Ok, ouais, moi j'ai rien ramassé. Le pour premier l'instant. Elderly, je vous laisserai expliquer le brasier. Ouais, tout à fait. Justement, j'ai fait un petit move juste avant. Sur le tout dernier Chétiflore, j'étais à 7 PV sur 27. Et je m'apprêtais du coup à tuer le dernier Chétiflore. Je me suis laissé prendre un hit de plus justement pour avoir perfect brasier ici. Justement, du coup, brasier c'est le talent de Hérissandre qui fait qu'en dessous de 33% de vie, ses attaques feu font plus mal. Et là, je suis en perfect brasier. Donc là, mon prochain flamèche va cogner très très dur là. Je commence le fight moi aussi. J'arrive, moi, j'arrive à l'étage doucement, mais sûrement. Charlie est juste derrière moi. Oh non. Oui, vraiment.
Là, on spam Ember, hein, y a pas de question à se poser, oui. Ce sera ça sur la plupart des fights, puisque c'est vraiment notre seul move stabé, donc c'est-à-dire qu'il bénéficie du bonus du fait que l'attaque est du même type que notre Pokémon. Sautout qui hypnose, c'est 55% de précision, si je ne dis pas de bêtises. Ça a raté, ok. Oh, je l'ai crit et je l'ai burn. Oh là 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 là. Bon, par contre, je m'endors. Donc, du coup, Zark, je vais rompige devant le Chétiflore. Et là, tu vas avoir max sommeil, je le sens, je sais pas pourquoi. Hypnose, c'est aussi de mon côté. C'est pas très très grave. Ah. Très joli, hein. Le crit plus burn, c'est. Brûlé, c'est 10% de chance. Donc, si on combine les deux, on est sur du. Une chance sur 160. Ah. C'est pas mal. Ah oui, on aime bien les probas, hein, nous, les runners de Pokémon, les tableaux Excel, tout ça. Parce que ça a pas l'air comme ça, mais optimiser les runs de Pokémon, c'est comme c'est beaucoup de RNG finalement. On a beaucoup de calculateurs et c'est pas mal de réflexion en amont sur les stratégies. Qu'est-ce qui tape le plus fort? On a des outils qui ont été développés pour ça par des personnes très, très déterminées, on va dire. Ah, ça, faut l'être. Après tout, ils l'ont dit dans le générique de Pokémon Johto, faut tous les attraper et être le plus déterminé. La direction, la première arène. Donc deux types vol. J'arrive sur Elder League. L'équipe du champion n'est pas très variée, il a un Roucool et un Roucoups. Le premier est la jet de sable. Donc si on se le prend, c'est pour ça qu'on veut avoir notre pivot pour reset, donc réinitialiser nos changements d'état et de stats. Donc, par exemple la baisse de précision, parce qu'on a vraiment pas envie de rater nos attaques face au Roucoups, qui lui a atterrissage, donc c'est-à-dire qu'il peut régénérer 50% de ses points de vie à tout moment. Sachant qu'on lui met pas 50% de dégâts. Mais hypnose tour 1 bien sûr. Bon bah mon pivot sert à rien puisqu'il m'a fait tackle, voilà. Ah, je me réveille tour 1, bon, vous me réveillez directement, bah très bien. Et je suis en brasier. Et je me prends un crit, allez on retourne. Aïe, on retourne sans Pokémon. J'ai 23 de vitesse, donc du coup je serai plus lent. J'avais une chance sur 16 de mourir ici, hein. Voilà. Bah voilà. Je serai sûrement plus lent aussi. Ah, puis mon funette qui est plus défense, mais non, mais pitié. De sable. Donc mon pivot va servir à quelque chose. Alors, il peut me mettre embrasé directement ici. Ok. Donc là, il va forcément me taper. Parce qu'il voit le kill. Je vais devoir remonter la tour. Hein. Il voit le kill, donc comme ça je l'empêche de faire. Atterrissage. Donc roost en anglais. Là il peut le faire, donc là je prie, et bah triste. Gust, ça me met. Ouais, je vais devoir re-soigner malheureusement. Oh, le coup critique! Oh là 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 là! Le coup critique en brasier qui annihile! Incroyable! Silver qui s'envole alors que je suis tombé de la tour, c'est terrible. Que se passe-t-il? On s'est trompé sur les rôles, Gifted Curse? Donc voilà l'évolution grâce à l'Early XP qui se fait maintenant. Et ben voilà, on en parlait justement. J'ai pas besoin de faire il ça. Il spam bien atterrissage évidemment. Ok, ça va, il se calme. On appelle ça une roustiflate dans le milieu parce que l'attaque c'est roust. Donc, peut-être va-t-il se calmer. Il faut juste qu'il m'attaque sans crit et c'est bon. Eh ben non. C'est encore perdu. Ok, le crit alors peut-être. Eh non, ça re-atterrit. Allez, juste une. Une fois. Et c'est le crit. Et je n'ai évidemment pas pris le centre Pokémon. Ah bah mince alors. Let's go. Donc là je vais carrément repop. Ah je sais pas. Là c'est dur. Hein. Ah là c'est compliqué là. 5 atterrissages into crit. Aïe aïe aïe. Cherry Grove, c'est loin. Du coup, Silver qui est devant, et puis moi qui passe deuxième, et Charlie dernier pour l'instant. Mais bon, Azalea peut tout changer. Ah oui! Ah là là. On n'a pas un, mais deux combats qui peuvent nous mettre la mine, donc. Ok. Vas-y, crit maintenant? Non, tant pis. Évidemment. Je vais acheter quelques items pour soigner les problèmes de statut au cas où. Allez, ça passe pour moi. Et on va aller voir Falkner à notre tour. Du coup, on récupère à nouveau l'egg qu'on avait eu tout à l'heure.
et qui finira, hein, finira la run dans un PC. Du coup, j'en ai niveau 13 dans le combat par contre. J'ai 25 de speed, c'est la speed taille, let's go. Alors, je parlais du pivot, du coup, le Pokémon qu'on a capturé qui est un pivot pour Falkner. Ça peut être aussi un pivot pour le rival qu'on affrontera plus tard. Le rival qui lead avec un Fantominus. Et donc du coup le Fantominus qu'on peut pas one shot sauf si on a embrasé avec une bonne spé attaque, donc c'est assez situationnel. Donc du coup ce Fantominus, si on one shot pas derrière, il a la possibilité de faire curse, donc malédiction, qui fait qu'on va prendre des dégâts à chaque tour jusqu'à qu'on switch ou qu'on meurt en fait. Donc c'est pour ça qu'on veut switcher pour reset cette malédiction, pour l'enlever. Donc moi là j'ai fait une remarque sur la speed tie, donc en fait j'ai 25 de stats en vitesse. Ce qui veut dire que je suis à égale vitesse avec le Roucoups, donc j'ai une chance sur deux de taper avant lui à chaque fois, ce qui est une situation absolument dégoûtante parce que bah. L'IA va pas réagir pareil, on peut taper à des moments où il faut pas, enfin voilà, c'est pas prévisible et du coup c'est terrible. Et je 25, fais n'importe t'es quoi. Pas en speed tie, hein, tout de suite. Je suis pas en speed tie, j'ai en speed. Ah, c'est 24 ? Oui, c'est 24. Ah, pardon, bon bah du coup non, c'est bon, je suis plus rapide alors. Je me souvenais plus. Là, je vais croiser le premier spinner. Ça m'arrange pas forcément. Dans l'Union Cave, donc les caves jumelles. On va utiliser une petite technique de menu. Je peux peut-être expliquer après parce que je vais me concentrer. Évidemment, mon deuxième combat est bien meilleur que le premier. Bien, bien meilleur. Ah oui, non, que du coup, t'es toujours deuxième. Parce que t'as pas eu de sauvage sur le retour, du coup, quasiment. Un seul. Ah, oh, vas-y, ouais. Ouais, effectivement. Gifted. Ouais, il vient de mourir quand même. On peut peut-être se calmer un peu sur les gifted. Ah, je burn tour 1, d'accord. Je sais pas si c'est très arrangeant. Parce que du coup, il va avoir envie de faire roost. Ah non, ouais, il me fait gust. Ok, bon bah, c'est win. C'est win et j'ai un excellent brasier pour le Pyramolos, donc bah parfait, parce que je vais évoluer. Et voilà, donc je fais un petit détour par les herbes pour éviter le montagnard, qui est un spinner en plus, que on peut éviter, hein. Si on peut l'éviter, on évite de perdre notre temps avec donc du coup les fameux trainer skip. Donc c'est la petite méthode avec le menu qu'on fait, c'est-à-dire que on va se positionner deux cases avant là où il nous voit. Tiens, je prends le sang de Pokémon. Trainer skip, on en a vu un certain type hier soir pour ceux qui étaient là sur la run d'Emeraude avec les bag manip, les voilà. Run to bike, etc. Là, c'est une autre façon de passer les spinners, mais c'est le même principe. Ouais, c'est la même chose que sur Pokémon Diamant. Si vous avez vu Pokémon Diamant aussi hier. Donc, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le menu, enfin, on va attendre qu'il se tourne. Laisse passer entre guillemets. On avance d'une case pour ne être plus qu'à une case de là où il peut regarder. On menu en même temps, enfin juste après qu'on ait avancé. Et du coup ça va le bloquer pendant quelques frames et on a du coup le temps de passer. Grossièrement. Alors petit repousse. Et ça y est, on a les repousses maintenant. Aussi. Oui. Voilà, on a les repousses depuis le premier badge. Il faut avoir au moins un badge pour débloquer les repousses dans les shops. Donc là, on affronte la Team Rocket dans le puits, il décide de couper les queues des Ramolos, je sais pas c'est quoi leur délire, mais bon voilà. Mais ça repousse qu'ils disent, c'est pas grave, du coup. Ouais, bon, chacun ses délires, moi je juge pas. Là c'est dommage, avec l'évolution j'ai plus brasier, donc je ne vais pas one-shot les Rattata. Moi j'ai vendu une CT pour être sûr, parce que comme j'ai perdu deux combats, je vais être sûr d'avoir quand même assez pour avoir assez de super potions. Parce que même si le shop est moins important, vu qu'on la run dure moins longtemps, on n'a pas besoin de tous ces objets. Oh, il me donne brasier, merci. C'est bien d'avoir ce qu'il faut quand même, sous le coude. Je suis juste derrière toi, Charlie. Hein. Fini mon shop. Ah, Charlie a nouveau rattrapé Vanika. Ouais, bah en fait, ouais, il a eu qu'un seul sauvage pour remonter le temps que je finisse la tour, donc du coup, il est devant moi. Mais de pas beaucoup. Okay. Intéressant. Prenez aussi le centre Pokémon à Azalea, hein, oui. Évidemment, avant le puits, parce qu'il peut se passer des choses hein, dans le puits. Hein, par exemple, donc Lickens, par exemple, qui a morsure, qui peut baisser la défense, qui peut nous empoisonner. Ensuite, on a le chef de la Team Rocket, enfin, l'un des chefs. Un admin. Un admin tout à fait qui peut nous rendre confus, baisser notre précision et après on tape dans le vide à l'infini. Ah, je parle à l'arbre, ça faisait longtemps. On n'a pas encore headbutt. Ah non, mauvaise caté ça, my bad. Non, c'est pas cette caté là. Je prends de la super potion de backup, elle est vraiment à côté. Je suis sourd au pouce moi dans le puits, donc comme ça j'ai pas peur de faire des pas en plus, des turn frame en plus. C'est-à-dire le turn frame c'est quand on tourne sur place. Je ne crains pas ça, du coup je vais prendre cette super potion qui est vraiment juste à côté.
Donc j'ai level up, je suis toujours en brasier, donc ça c'est très cool. Donc là je one shot tout. Je vais voir ce que je pense, je reste au moins un tour. Je sais pas comment il met le poison sur le Smogo à 45 PV. Il met 5 hein. Ouais, il met 5. Ouais, il met 5 donc c'est bon. Donc normalement Smog met 4, poison 5, donc je survie. Donc je vais pouvoir taper en brasier le Smogo. À part max roll effectivement. Voilà, à part max roll. Pas très safe, mais c'est pas grave. Max roll il mettrait 6. Hein. Puis l'IA qui est random sur ce dresseur de la team Rocket. La team Rocket est pas très intelligente. Hein. En tout cas pour l'instant, les dresseurs dans la tour radio, les derniers ont une IA intelligente, mais c'est rare. Mais on les verra pas dans cette run. Voilà. Donc le Smogo qui a. Smoke Screen, c'est quoi déjà? Écran fumé? C'est brouillard. Brouillard, voilà. Ça baisse la précision, il a Poison Gas pour nous empoisonner, il a Smog qui fait des dégâts et aussi peut nous empoisonner, et il a Tackle. Donc charge. Smog, il l'a mis, bon, très bien, je prends. Hein. Alors, je regarde ma SPDF. Faut que j'ai au moins 27 si je veux faire Rival First. J'ai 25, ouais, donc c'est mort. Part sur un petit Bugsy First, assez dangereux, parce que Bugsy, donc vous savez, Hector. Le deuxième champion d'arène qui lead avec un sécateur terrifiant hein, qui est en plus technicien, le talent qui booste les attaques de faible puissance qui deviennent du coup assez fort, donc vive attaque, il va spammer contre nous. Ça fait assez mal. Oui, on pourrait se dire que oh, c'est un insécateur, on est type feu, c'est rien. Non, non, non. Vous vous assurez que il tape très fort. T'as raison pourquoi je peux pas faire rival first, parce que le rival bah, il a son crocodile évolué qui va taper water gun. Donc ça tape sur le spécial et du coup il me faut une assez bonne défense spéciale pour résister au moins à deux coups. Et là du coup c'est pas le cas, j'ai 25 donc ça ne passe pas. Alors du coup, faut que je dépose mon slave et que je soigne dans le PC en laissant. Alors, okay, trop bien. C'est trop bizarre de voir un Pidgey capturé. Donc j'enlève, je veux pas avoir deux Pokémon dans mon équipe, l'œuf ne compte pas, parce qu'il y a un combat double qu'on peut skipper si on a qu'un seul Pokémon dans l'équipe, dans cette arène. Mais du coup ça veut dire que j'irai récupérer mon Pokémon pour le rival, si j'ai brasier. Je peux tenter de faire le rival sans, c'est un peu risqué. Je vais passer à niveau 15 sur le premier Nosferapti, c'est bien ça. Parce que même si on prend pas malédiction, on serait très content d'avoir un pivot après avoir passé le crocodile, puisqu'il aime beaucoup PC notre vitesse. Et après le crocodile, il y a un Nosferapti qui peut nous rendre confus, nous apeurer, donc voilà, ça peut être une boucle infinie, qu'on aime bien être plus rapide que lui, donc c'est quand même très bien d'avoir un pivot. Donc même si j'ai brasé, je pense que j'irai chercher mon Rookool pour avoir un pivot. Ok, très bien. Alors, on va voir combien il met, j'espère ne pas perdre trop en PV. Stop. Oh, il m'a PC beaucoup, je vais devoir stall un peu pour manipuler. En gros, c'est une histoire de dégâts sur... Ok, crit. Ok, c'est bon là, stop. Est-ce que t'es bon là? Là c'est bon, là il a bien baissé mes PV là. Bon, petite potion et c'est bon. Oui. Bah non, là j'ai pas envie de mettre potion, sinon je me retrouve au stade avant, après sa première Fury Attack. J'avais un peu trop de PV après sa première Fury Attack. Parce que en gros, si l'insécateur nous voit qu'il ne peut pas nous tuer en deux coups, il a tendance, c'est pas tout le temps, mais il a tendance à baisser notre défense. Et s'il baisse notre défense, là c'est deux coups two shot garanti, même full vie. Et là, bah on est foutu. Hein. Donc voilà. Là, 22 PV, c'est pas mal. Parce que ça va pas me tuer. Il attaque à 22. Toi, ça s'est bien passé depuis J'ai pas eu brasier, donc ça a été très très long, mais ça va. Bah, du coup, safe, forcément. Enfin, un peu plus safe techniquement. Oui. L'insécateur a aussi puissance, ce qui fait que ça augmente ses chances de coup critique de 1 sur 16 à 1 sur 4. C'est un peu mauvais ça. Ok, bon. Là, du coup, je sais qu'il va refaire. Ok, donc c'est Bugsy Force pour moi aussi.
va être rival de mon côté. Voilà. Là, il va forcément retaper. Et là, il voit à nouveau un 2, un two-shot normalement. Mais pas en brasier. Donc, c'est pour ça que je retape avec Ember. C'est pas une in-range. Parfait. Et là, je le tue. Là, il fait puissance, mais c'est trop tard. Il est terminé. Très bon fight. Très bien maîtrisé. Très important de jouer sur les HP quand on n'a pas un bulk suffisant pour résister à son. À 3 vives attaques. Maintenant, je vais pouvoir enchaîner sur le rival. Oublie pas de reprendre ton slave ou de le heal. Ouais, ah ouais bah, j'ai pas brasier en plus, donc aucun intérêt là, d'enchaîner sur rival. Je vais aller me soigner au PC pour soigner mes PP, mes PV et reprendre mon pivot, mon slave. C'est pas, enfin, le slave, on dit slave parce que c'est par rapport à CS slave, qui va apprendre des CS. Mais c'est un terme de jargon, oui. C'est ça, mais dans cette run, du coup, bah non. On a pas vraiment de. Enfin, y'a rien qui apprend des. Si, à la limite, on peut, si on capture un Fouinette, il peut apprendre coupe. Ratata aussi, je crois. Oui. Pidgey pourra aussi. Pas. Donc ce sera mon Hérisson qui apprendra. Malédiction. Très très bien. Scénario sympa, très ça. Relou. Mince. Je vais y parler à l'arbre. On peut pas, je crois, dans l'arène. On est proche de la nature ici. Hein. Là, je vais juste abaisser sa défense très rapidement avant de switcher Water Gun. Ok, c'est pas un crit, donc je survis. Donc faut que je switch impérativement maintenant, sinon je suis mort. Et dès que je reviens, faudrait que je le heal full. Je vais commencer le même fight que Charlie très bientôt. Alors, hop. C'est parti. Le rival. Donc faut faire attention avec le rival, ce que fait Charlie, il fait attention à ne pas le mettre en torrent. Donc c'est on a brasé sur Hérissandre. Oui. Bah, le crocodile, là, pareil, il a torrent. Donc si on lui met à moins d'un tiers de ses PV, ses attaques de type O vont le pousser. Ben voilà. Oh, le coup crit. Adios. Ah, bon. Ah là 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 là. Dur. Ah, on se met bien. Bon, heureusement que le centre Pokémon est juste à côté. Alors, hein. Cette fois, on l'a pris. Ça moi, j'ai pris Spite. Très, très donc Spite, c'est juste à baisse nos PP. Pas très en... Voilà, pas trop d'impact. Quand on vous dit qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer entre le début et le concours de capture d'insectes, hein, voilà, typiquement... Moi je suis morte sur sur Mickey du coup, je suis bon là c'était une erreur de ma part mais voilà. Je me suis pris un truc à une chance sur 16 d'arriver sur le Hoot-Hoot, Charlie qui se fait crit, enfin voilà. C'est vraiment une run où le début est assez éprouvant niveau RNG, faut prier pour que tout se passe bien. Alors il y a beaucoup de monde où ça se passe bien mais quand tout s'aligne pour que ça se passe pas bien, bah faut juste subir et... Subir et continuer. Ou reset, bon. Ça dépend ce que vous moi faites. Moi, bon, le jeu a pas envie de me la mettre. Hein, deuxième cœur. Je pense que le jeu a commencé à se lasser. Hein. Se lasser de moi, donc là, je suis tranquille. Ok. Mais bon, il reste toujours le concours d'insectes. Hein. Je peux très bien passer 3 ans. C'est ça le plus important, surtout. Oh là là, incroyable. Il m'a crit tour 1, mais je l'ai brûlé tour 1. Curse Water Gun, deuxième coup. Je vais quand même soigner. Bon, bah, le Nuzubat qui a fait morsure, qui a pas voulu me mettre confus, donc bah, je tue, j'ai même besoin de switcher sur mon slave. Et on n'apprend pas Flame Wheel. Ah non, j'aurais dû le. Ça prend tard, hein, la deuxième attaque. Bon, c'est pas grave. J'ai mal géré, j'aurais dû faire Ember. Attends, on repousse maintenant. Combat un peu long, mais ça passe pour moi, Bugsy. Il faut traverser la forêt, ensuite Doublonville, pour atteindre le parc où il y a... Ah oui, du coup, c'est Silver qui va arriver le premier au concours de capture d'insectes, puisqu'il a passé Azalea, donc c'est terminé pour lui. Enfin, c'est terminé pour lui, la partie compliquée, oui. C'est terminé pour toi, mec. C'est terminé. Je suis finito. Petit mini-jeu avec les canards artichauts là. À récupérer, il faut pas marcher sur les branches sinon ils nous voient.
Bonk. Là j'ai mis on repousse un peu en avance, c'est pour pouvoir le mettre avec ah bah non c'est vrai que du coup je non il y a pas besoin de revive donc ça ne va ah pas bah fonctionner. Ah bah oui. Ah bah évidemment. Il était déjà mort, je ne peux pas l'envoyer pour Je me rends compte que j'ai pas besoin. Normalement on récupère un revive dans la forêt mais il n'y a pas besoin sur cette catégorie du coup et là j'aurais du repousse ça ne sert à rien. Bah oui. Normalement je veux mettre oh là un repousse. Il fait n'importe quoi. Ok c'est bon. Normalement je vais mettre un repousse en même temps mais que t'as combien de records du monde déjà sur ce jeu, tu me rappelles? Quel est ce jeu? Je ne connais pas. Il débute, excusez-le. Là je vais apprendre cut. Normalement mon repousse il s'arrête ici si j'ai ramassé le revive mais en fait j'en ai pas besoin. Parce que je confonds les catégories, il y en a tellement sur ce jeu. Donc le Pidgey peut pas apprendre cut, donc ça va sur Erisandre. Niveau super potion, je suis très bien pour gérer le concours, donc... Oui, il faut juste soigner une fois. Mince. Attends, je vais mettre mon repousse maintenant, moi. En espérant pas mourir, bien sûr. Il y a que ça qu'on ramasse sur les long runs aussi, mais pas besoin. Oui, là, il y a plein d'objets qu'on ne comprend pas. C'est ça. Normalement, on a tout un petit circuit dans la forêt à faire pour récupérer un revive, un full heal, un éther si on veut, un X-Attack. La Kim No Girl qui est perdue et nous aussi, du coup on lui dit qu'on sait pas où aller, voilà. Mais visiblement c'est notre Pokémon qui connaît le chemin, je sais pas comment ça se fait. Hein. Ah je me suis pris curse aussi. Ah mais Yonk, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est moi qui voulais la curse. Serions-nous des runners maudits? C'est moi qui voulais la curse peut-être, je sais pas. Non j'ai fait, oh mais n'importe quoi. Je ne joue pas bien aujourd'hui. On va couper ici les herbes pour être plus près de Ethan lors de la cinématique. Mais je l'ai activé deux fois là. Oh là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est terrible. Ah, tu retournes. Ouais, je l'ai activé deux fois. Hein. Tu retournes voir les filles. J'ai réussi cet exploit. GG à toi. Oh là là. Venika est contre le rival en train de baisser la défense du Crokono avant de taper. Ok. Est-ce que ça va être suffisant, j'espère? Ah là, tackle, tape un peu moins fort. Non, là, ça va être compliqué, là. Surtout que là, bah, il est en torrent, là. Non, il est pas en torrent, il est pas même encore. Pas en torrent, ok, bon, ça va. Non, là, je peux cookie-attaque, c'est bon. Ah, ouais, ça passe. Ok. Enfin, ouais, mais c'était risqué, mais... Terrain glissant, mais... Bah, j'ai pas eu la range, en fait. J'aurais dû l'avoir, mais... T'aurais dû, ouais, relire avant, en fait. Mais c'est pas grave, y a pas de problème. Voilà, ça, tout va bien. Bon, ça devrait être bon pour moi, du coup. Donc là il m'a proposé d'apprendre Flame Wheel, on l'apprend normalement dans la run mais là on fait pas la glitch sur Nipes donc ok très bien, on va faire voir. La direction, bah, le Pokéathlon, enfin le Pokéathlon, n'importe quoi, le concours d'insectes hein, pour moi. Je pense à bien sauvegarder avant. Ah évidemment je me prends en flinch. C'est un combat. Je me fais apeurer par le Nosferapti, c'est super. Et j'ai la confusion aussi, bien sûr. Toujours plus. Merci. Dernier combat, sauf si je me prends des dresseurs optionnels. Il y a deux dresseurs au-dessus de moi qui sont sourds, donc c'est-à-dire que je peux courir devant eux, ils vont pas se tourner. Mais du coup, bon, je peux toujours me les prendre si jamais je m'y prends mal. Oui, on a différents types de spinners. On a des spinners un peu classiques, donc qui tournent un peu au hasard et dans la direction dans laquelle vous courez. Il y a des sourds qui nous entendent pas nous retourner, donc ils se retournent complètement aléatoirement. Mais enfin, selon certains, en général, il y a toujours un endroit où c'est safe de passer pour les sourds. Puis il y a les Rotato aussi qui eux bah, tournent en rond, on peut leur courir à côté, c'est pas grave, mais c'est juste faut connaître, faut savoir dans quel sens ils tournent. C'est ça. Non, les Rotato ils nous entendent là aussi. Hein. Oui. Non, celui avec l'Axoloto là avant l'Union Cave, oui. Si on fait une case de trop vers la droite. Oui. Bon, si on est assez loin, voilà, ça pose pas de problème. Mince, qu'est-ce que je fais? Non, mince. Bon, du coup, Charlie et son excellente gestion voilà. Me permettent de passer deuxième. C'est la gestion de la reine. C'est
C'était catastrophique. C'est très galant de ta part, merci mec. Super potion, préparation au concours là. Et je save. Oui, donc on va save avant le capture d'insectes parce que. Avant le concours parce que. À tout moment, on se fait. On ne gagne pas le concours donc. Normalement, si on a la chance de choper ce qu'il faut, c'est bon, mais encore faut-il choper ce qu'il faut. En fait, il y a des Pokémon qui garantissent la victoire et il y en a sur lesquels c'est pas garanti, mais on peut essayer, donc d'où l'intérêt de sauvegarder avant. Allez, on y va. Première tentative, va-t-on gagner? Donc là, il faut essayer de trouver un Pokémon quand même qui rapporte des points, donc assez haut level. Mais faut pas non plus s'embêter à avoir un Pokémon trop dur à catch, sinon on va perdre du temps et tout. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Butterfree ou 14. Ah, j'ai envie de le. 9% tenter, de chance là. De rentrer, mais avec ça tu gagnes. Ouais, alors on veut pas baisser les PV. Parce que tout simplement, c'est un. Ça, en fait, les points jouent sur le fait de combien de PV il reste au Pokémon. Poison Powder, c'est je pense le pire début. Après j'ai des potions, hein, je peux toujours tenter, mais après voilà, la question c'est est-ce qu'il voudra rentrer, parce que ouais, c'est moins de 10%. Hein. Moi j'essaye une ou deux balles et après je passe à autre chose, donc après je te laisse voir comme tu veux. Moi j'ai toutes mes sport balls, hein, au pire je reset, hein, mais c'est pas grave. J'ai d'avance, je joue le beau jeu. Oh non, dommage. Stun sport, donc ça marche pas vu que j'ai déjà un problème de statut. Oui, les problèmes de statut ne sont pas cumulables. Ça, voilà. Hop, non. Et malheureusement, il n'y a pas trop de strats. On n'a pas de Pokémon. On pourrait capturer, par exemple, pourquoi pas un Drowsy pour l'endormir. Ce serait une idée. Oh. Et c'est capturé. Oui, bravo. Normalement, tu gagnes. À voir. Bah, normalement, oui. Normalement, c'est free. Hein. Entre niveau 13 et 15, tu gagnes. Donc, il est niveau 14, donc c'est bon. Tailleur. Tac. Faudra que tu indiques. Tu connais le moment du time ou pas sinon. Pas exactement, non. C'est au moment où t'as tes options en bas qui sont de nouveau en allumé. Ok, donc attention. Donc. Allez. Donne le Scyther. Et. Qui a gagné en première place. Virgule. Ouais, bravo, Virgule. Let's go. 313 points et je gagne une Sunstone, donc la pierre soleil. Et attention, ça va être le. Pas encore, pas alors, tout de attention, suite. Non, c'est vrai qu'il a un nickname. Alors attendez, je vais mettre un petit nickname. Non. O. D. J. V. V. Voilà, ok. Espace. Others. hop. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon, attends. Et attention. Time. Bon, on arrive, hein. On arrive fort. Voilà. Ouais, ça arrive de fou, là. Je avec prends... Avec mes deux morts, là, j'arrive, là. Je suis chaud. Panika qui passe Doublonville. Plus qu'un seul combat. Charlie est juste derrière. Alors, on te laisse commenter, du coup, pendant comme ça, on va focus. Ethan me harcèle, là. Qu'est-ce que tu veux, Ethan? Ah, Ethan, il est insupportable, on le déteste. Pardon à tous les Ethan du monde, d'accord, mais celui-ci, on le ça ne sert à rien, ton appel Ethan, merci à toi. oui, donc, du coup... Voilà. Un seul combat à la Provenica. Ah, je suis empoisonné. J'ai pas le vélo. Bon, je pourrais me mettre devant la fontaine. Où est-ce que je pourrais me placer? Un bel endroit. À côté du. Devant là. Hop là. Appuyez, on attend. Lead. Voilà. Le petit papy illusion. Voilà. Monika qui termine le fight, faut juste esquiver les deux spinners là. Et pas bon que dans la campeuse, c'est repère, c'est pas mal. Allez, bouge. Oh, mais c'est pas gentil ça, monsieur. Si tu peux les react directement. Hein. Oui, je sais, mais. Préfère être safe. Oui. Méthode classique, comme si le spinner n'était pas souvent. Voilà. N'oublie pas de save avant de commencer le concours. Oui, non, t'inquiète pas, je vais soigner et save. Ouais.
Non, hyper potion. Super. Non, pas les options. Non, elles sont très belles les options. Oui, elles sont bien mises. Bravo à moi. belle exécution là-dessus. Est-ce qu'on sait en combien de silver à time? Ouais, moi je vois le chrono, j'ai pour pas de chrono devant moi. On a pas de chrono. La régie, il a time en combien de temps? On entend pas. 51 quelque chose. Mais non, mais j'ai pas parlé au gars, je suis débile. 51,29. Très beau. Nice. Content. Elle est longue la save, hein? Oui. Là, ouais, ça va se jouer sur qui c'est qui capture le meilleur Pokémon le plus vite possible hein, pour Vanika et Charlie. Donc, pour Charlie, on est un samedi. Vanika, tu étais quel jour? Un mardi, je crois. Un mardi, bah c'est bien, on a tout fait tous les jours. Ça, moi, jeudi, Vanika, mardi, Charlie, samedi, très bien. Ça, c'est nul. Allez, c'est parti, let's go. Alors, est-ce que ça pourrait pas être un chenipan niveau 18 pour rendre hommage à Flame qui n'est pas là aujourd'hui? Non, il est niveau 11, là, c'est trop compliqué. Là. Sans doute l'un des pires. Oh là là, non mais non. Niveau 13. Niveau 13, c'est bon, ça passe dans le c'est super. Ok. S'il y en a un qui a un très très bon Pokémon, attention. Genre un très bon assaquateur, ça peut perdre, mais... Oui, c'est n'importe lequel, donc ça je peux prendre. C'est bien. Je vais peut-être fuir pour aller me soigner quand même. Ah, t'as oublié de te soigner. Ah, tu t'es précipité. Il m'a empoisonné quand même, hein. Bon, je vais. Oh non, Fury attaque en empire. Tu peux pas te soigner. Ouais, je vais résoudre quand même. Tu peux pas aller dans le sac. Fais exprès, faut être prêt avant. C'est moi. Rouge. Passe les rouges. Je prends la parole, désolé, c'est moi qui leur parlais dans les oreilles que vous n'entendiez pas et du coup elle me répond à moi, c'est pour ça. Voilà. Allez, s'il te plaît, Dardarmion, sois gentil. J'ai toujours défendu les guêpes, les frelons surtout, les guêpes j'aime pas, mais. Allez, une dernière et sinon je vais essayer. Oh, pourquoi tu ne t'essayes pas avec tous tes sportballs? Hein? De toutes les lancées, tu veux dire? Je pense, hein, en fait. Bah, c'est un peu timeless, hein, parce que si je fais une autre rencontre et que je trouve un Pokémon plus facile. Ouais, mais bon, celui-là, t'es quasi sûr de gagner le concours, quoi. Comme tu veux. Chacun, évidemment, il n'y a pas de décision miracle, hein. Chacun fait un petit peu. Bon, je peux encore tanker un coup, donc on va essayer. Comme il le souhaite. Parce que c'est dur de savoir qu'est-ce qui va gagner ou pas. Et puis on connaît pas les IV, parce que les IV jouent pour gagner. Oh. Let's go! Et voilà le Beedrill qui rentre! Ah, toujours pas. Et un autre Butterfree pour Charlie, mais il est niveau 12, donc c'est pas terrible. Allez. Hop, retire. 13. 13. Okay. Bon. Donc il y a quelque chose avec les Butterfree, hein, Charlie. Ouais. Ok. Oh. Ouais. Et voilà, c'est gagné pour Vanika. Ça va être bientôt là. Merde, il est où là? Non, pas j'ai eu, non. Mais... hop. Et... Non, dommage. Time pour Vanika. Pour la première fois de ma vie à l'ODJV, j'ai pas perdu une race. Wouhou. Oh là là. Ah merde. Hein? Oui. Non, mais une race de Pokémon. Deux. Trois. Et non. Ah non. J'ai tout mon temps, je suis endormi donc je peux pas être empoisonné. Tout mon temps. C'est vrai que ça c'est bien ça. Deux. Oh.
Je vais remettre mon magnifique chapeau d'entomologiste. Ah, en plus, il veut vraiment t'empoisonner. Hein, genre, vraiment, ah, il y tient. Hein, il... Zéro. J'espère que vous avez un peu de temps parce que ça peut durer très très longtemps. De rien. Attends. Ah oui, c'est vrai que moi j'ai pas montré. Pourquoi pas, bah oui. Alors, gentle. Loves to hit. Often doses off. J'espère qu'il est thoroughly cunning au moins, lui. Ouais. Je vais peut-être plus avoir de bol au bout d'un moment, en fait. Ah, j'étais nature neutre, ok, d'accord. Très bien. T'en restes 3, non? J'ai pas vu. Je suis pas sûr. Il m'en reste 3? Il me semble, hein. Attends. 8. Ah, 8. Ah. Non, j'ai mal vu. J'ai mal vu. On a 20 ou 30? On en a 20. On en a 20 de base. Ouais. Allez, bah attends, free. Bon, s'il a vu un de ses potes se faire catch. Donc, non. Il a vu un de ses potes se faire catch juste avant, donc là il commence à résister. Là, faut, je pense, trouver une autre espèce. Là. Trouve un paras par exemple. Alors, voilà. Paras, c'est valable entre le niveau 13 et 17, donc il y a quand même une bonne marge de manœuvre, c'est 40% de chance de l'attraper. J'aurais dû forcer un paras, hein, je pense, en effet. Alors, hors hein, contexte, pas, c'est. Oh le. S'il rentre sur la dernière, je rigole. Ah. Je me rappelle une fois, j'avais chassé Dialga. Plus que 3. Et jour, du coup, il est tombé shiny. J'ai claqué, je crois, toutes mes Ultra Balls. Tout, plus rien. Du coup, je me retrouve. Bon, j'ai toujours une Master Ball au cas où, mais je voulais pas la claquer pour Dialga directement. Je me disais au cas où pour un autre truc. Du coup, je passe au Pokéball et ça rentre dans une Pokéball. T'sais. Genre, j'avais fait une quarantaine. Le flex, hein. Ouais. C'est ma dernière, je crois. Avant-dernière, non. Allez. Avant-dernière ou dernière? Je crois que c'était ma dernière. Eh voilà. Ah, ça va. Oh là 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 là. Bah, pour une fois, Silver a inversé la tendance. Quel jeu magnifique. C'est fou. C'est donc ça, mon Pokémon préféré. On t'entend plus, Silver. Oui. Ah bon, on m'entend plus. Ah non, c'est bon. Ah, ok. Il y a eu un moment bah, je... Moi, je profite de l'instant présent. Non, mais c'est bien, vas-y. Et moi, je peux mettre ça sur mon CV, j'ai battu Charlie en race un jour. C'est ça. La RNG n'a rien eu à voir dans cette histoire, bien sûr. C'était que non, du skill. Vraiment. Skill issue, hein, Charlie, quand même, franchement. Hey. T'as pas lancé le fight à la bonne frame, enfin, je veux dire. Ok, première case. Alors peut-être. Alors peut-être. Est-ce que c'est un paras? Non. Non. 15, c'est... C'est pas suffisant. Non. Je viens de me soigner, très bien. Bon, je vais peut-être avoir... C'est vrai qu'il fallait peut-être que je refasse ça. Allez. Ah. Ok. Niveau 13, ça c'est pas mal. De toute façon, c'est n'importe quel niveau, ah, c'est ces Pokémon-là. Ouais, c'est ça. Hein. Ah ouais, tu peux y aller, ouais. Mais c'est 9% aussi, quoi. C'est ça. Alors, je suis désolé de vous couper pendant ce moment intense, ouais. Mais je fais une légère annonce pour le stream. Oui. On est de retour, lol. Oui. Parce qu'en fait, on a perdu la connexion internet parce que des personnes qui sont en train de ranger ont débranché le switch. Mince alors. Dommage. Donc résultat, on a perdu la co, mais on est de retour et de toute façon pour la partie coupée, les VOD seront disponibles un jour. Let's go. Un jour. On a les VOD. Ça a coupé quand? Ça a coupé il y a environ, je sais pas, 5 minutes même pas. Ah oui, donc c'est bon, j'avais fini. Je sais pas. Oh. Je crois que non, je crois que quand t'as fini, c'était déjà mort. Donc, mais on aura les VOD, t'inquiète, on a quand même enregistré, on aura les VOD. Non mais je boude, c'est bon, c'est fini, je boude. Je fais du boudin. Magnifique. Allez. Allez mon grand. Allez mon petit. Allez. Allez mon grand. Allez. Allez, allez. Tu vas le faire. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Pitié. Deux. Oh. Au bout. Quand ça veut pas, ça veut peut-être pas. Peut-être mourir là-dessus. Au bout du R. Ah bah ouais. Ok. Oh, il survit. C'est maintenant. Ok. C'est la boule. Alors peut-être. Hein.
2, 3. Bon, est-ce que tu vas gagner le coup? Oui, c'est gagné, c'est garanti normalement. Bleu. Rouge. Attention, les résultats du dernier concours. Alors, donc le troisième est en paras, donc il fallait pas prendre de paras, hein, évidemment. Et non, oh là là, deuxième. Quoi? Oh non. Aïe, 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 c'est pas... Il y a quelqu'un qui a sans doute dû capturer un insécateur, je pense. Oui, ça doit être ça, les moyens. Ah, normalement, c'est garanti, moi, d'après les notes qu'on m'a données. Wow. Après, du coup, je vais discuter les gens qui m'ont donné les notes, du coup. C'est déjà, c'est pas moi. Là, non, c'est pas toi, non. Je me dédouane toute c'est responsabilité. C'est un certain jeune homme belge. Ah, je vois. Non. Non, il est, non, Yaxo, il est rennais, monsieur. Et il est pas dans ça, je crois. Non, il est pas parmi nous. Non. Troisième essai. Allez. Ouais. Allez, le chenipan niveau 18, c'est Flem qui sera content. Allez. Mon rêve, chenipan. Chenipan 17. Ah non, niveau 17. Bah non, il faut niveau 18. C'est un signe. Ah non, ah bah oui, c'est niveau 18. Mais oui. Mais non, niveau 17, ça suffit pas. Ça, en vrai, ça peut gagner, hein, mais c'est j'aurais pas sûr. Tenter, ça, en fait, ça dépend des IV, quoi. Oh non, ah, il donne le retour. Oh non. Est-ce que tu veux réessayer? Allez, first ball. J'en cherche un autre. C'est bon. Non, mais ou un paras, ce serait bien. Petit paras. Allez. Paras chenipan. Petit vénonat. 13. Non, 13, ça suffit pas. Oh, 10, oh là 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 là. Je te dis, ils sont tous venus au début de ta run et là non. On a eu 5 de suite, ouais, ouais, c'est fou. Ah, Venonat. Venonat, il te faut que ce niveau entre 13 et 16. 13, bon bah. Et bah, attends, allez. Allez, le Venonat. C'est 40% normalement de le choper, donc ça devrait être beaucoup plus facile. Ouais. Oui. Waouh. Ah bah voilà. Oui, merci. Merci bien. Allez, maintenant on croise les doigts. Des bons IV, ça gagne. Voilà. C'est un peu aléatoire les points des dresseurs qui concourent aussi. Allez! Allez! Minitos! Ben, okay, Butterfree, très bien. Butterfree, okay. Oh là là, la deuxième encore! Tout va bien. Tu seras toujours promis dans notre cœur, Charlie, sache-le. On se re-soigne du coup. C'est bête de passer de soigner avant de save. C'est vrai. Après, je me suis dit, je vais clutch. Dès le début, je vais avoir le Pokémon de fou. Pas du tout. Et non. Je m'étais appelé G en plus, mais ça n'a pas marché. Mince, t'aurais dû t'appeler J, je pense. C'était peut-être pas le bon G après. Oh. Pourquoi je m'écarte autant à chaque fois? On nous fait des blagues de fou en régie. C'est Manip, Imanip en fait. Ouais. Il nous a menti. 18? 8. Ah oui, non, mais. Il te manque un petit truc. Il pourrait être niveau 1, peut-être. Il manquait un chiffre. Oh, tourne. Bon, sinon, au pire, je vais attraper mon PC, je te retrouve mon offset pour la Maniparas. Ah, ben non, t'es sur 3DS. Oh non, oh zut. Oh. J'ai plus à tourner, ça y est. Sinon, vole un Pokémon à un des dresseurs là. 17, ça passe, hein? Oui, ça peut passer. Oui, bah tente. Oui. Allez, c'est cool. C'est une range. Il est pas sur la liste des Pokémon préférentiels, mais. Après, moi, du coup, je n'ai plus foi en ces notes. Hein. Je ne sais plus qui m'a donné ça, mais. Enfin, si, je sais qui m'a donné ça, mais. Avec des bons IV, par exemple. Je leur fais plus confiance. On tente.
Allez. Allez, est-ce que le confort va passer? On va même pas être dans le top 3. Hein. Allez. Okay. Oh, oh, oh. Alors peut-être. Oh. Ah non, pas du tout. Au bout de combien de temps considère-t-on que... Ouais, vous me dites ainsi, vraiment. Bon, on se re-soigne, hein, on est... Quoi? Le chapeau? Ah, peut-être faut remettre le chapeau, peut-être... Attends. Voilà, c'est Attends. Ça. Trois chapeaux de... Les trois, ouais. Vas-y, ouais, on pile. Voilà. 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 Et voilà, c'est bon. Non, c'est bon, il a le retour sur l'ordi, donc ça va. Je dis droite, haut. Et turn frame. Ah non, ça va être shoulder. Allez, la petite balle perdue là. Oh, oh, c'est... Oh, ça va être dur à catch par contre. Hein. Non, mais c'est bon, il a le triple chapeau. Mais c'est ça. Oh, est-ce le que vilain. Ça vaut le coup que j'investisse du temps pour ça? Je ne sais pas. Il t'a fait lire. Allez. Non. Non. Chaud, hein. C'est quoi? C'est 6% je crois, un sécateur au catch. Ou 7. 9. 9 aussi? Ouais. Comme, c'est 9% les... si okay. Je me souviens oui, bien. Oui, c'est voilà. Ça, c'est ça. Ok. Bon. Je pensais que c'était encore moins. En fait, tout ce qui est insécateur, ouais, les insectes. Dardarnian, papillusion et scarabrut, c'est 9%. Mmh. Ça, et puis aussi, il peut te fumer, hein, le oui. Insécateur, ça aussi. Hein. Enfin, attention. Deux. Un. Non. Est-ce qu'il a vive attaque? False swipe. Bon, c'est bien, ça peut pas te tuer, ça, c'est cool. <C'est terrible. coughs> Allez. Tout va bien, c'est réceptionné. Attends, hop. Ah. J'ai. Un nouveau fond live speed bientôt. Ah, n'hésitez pas, bien sûr. N'hésitez pas. Ah, c'est bête, j'ai plus de batterie. J'aurais fait ça, mais... Ah ouais. Oh 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 oh, oh, oh. Attends, non, le chapeau. En sécateur, normalement, ça gagne. Hein. Sauf s'il a zéro IV partout. Hein. J'avoue que s'il a sa paire, il y a un grave problème avec... Faut brûler avec la cartouche. Avec Charlie Gifted, quoi. Plus Gifted du tout. Ungifted Charlie. Si, en fait, si on voit, on te voit encore en troisième ou deuxième, montre-nous qui est premier. Cache, montre-nous qui c'est qui a gagné la place. Parce que là, il okay. Y a... Uh-huh. Okay. Barry okay. De Pokémon Diamant, c'est pas ce qu'il fait là. Hein. Ok. Bon. Allez. Ouais. Alors. On va faire comme mes collègues quand même. Ah, c'est bon. Je ne connais plus l'heure de mêlée, etc. Ah mais c'est dur, hein. Et... Bah, je sais plus s'il faut appuyer sur le bouton. Oui, tu peux. Time. Voilà. Oh là là. C'est bon, c'est fini. Hop. Grâce au pouvoir des chapeaux. Eh oui. Merci, Ivanka, de les avoir amenés. De rien. Ils sont pas venus pour rien, finalement. C'est ça. Ça, si, ok. Modeste. Il était quoi déjà mon... Il était... Attends. Il était un magnifique bien. Neutre du coup, oui. pour Charlie. Tiferi son neutre. Ah, c'était plus speed attack, moi moins vitesse neutre. Et potentiellement 31 IV speed attack. Je wow. Ah, c'est mon Eris Cendre ouais. Qui était neutre. Mais bon. Comme je l'avais prédit. Bien écoutez, neutre, merci beaucoup ouais. Charlie, Vannika et Silver. Et bravo Silver pour cette victoire ouais, lors, de cette, merci. Lors de cette race. Bah merci à vous encore pour le regard hein, et pour l'invitation, c'était trop cool. Oui, très sympa, parce que c'est une très sympa à faire qui est assez courte mais qu'on n'avait jamais fait encore en event. Ouais. Donc voilà.
Ravi de l'inaugurer, voilà. Exactement. Et du coup, ben, on va vous remercier et puis aussi GG d'avoir installé tout ça aussi vite parce qu'on avait 3 DS entières à capturer et là pour le coup ça s'est vraiment très bien passé. Et puis merci beaucoup à tous les membres justement de PFR, de la Pokémon French Racing Team qui sont présents ici pour avoir submit en gros une grande quantité de runs justement Pokémon et autres également comme du Castlevania ou du My Little Pony comme on a eu juste avant. On a pu avoir un planning relativement bien diversifié grâce à ça. Oula. Est-ce que ça va, notre ami, notre collègue Lingboss qui nous a fait peur en pétant une caisse. Oh, ça va. De toute façon, c'est son matos. Et avant de passer aux conclusions et aux speeches de fin, je pense qu'on va avoir le temps de montrer, si on a le temps, Panda, de switcher sur la partie dessin, puisque Eva a fini le tout dernier dessin avec un magnifique Lugia sur...